Je sans plus tarder, je donne la parole à Hossine Boukla, que je remercie, cher Sidi Bémol, plus connu sous ce nom. Et je le remercie d'être là et je le remercie tous les autres artistes qui ont accepté d'être là ce soir pour les détenus d'opinion, dont Hassan El-Qadi. Je passe la parole à Hossine. Effectivement, merci beaucoup d'être venu à tous. Moi, c'est vrai que depuis 2019 pratiquement, tous les concerts que je fais, je commence par une pensée aux détenus d'opinion en Algérie. Et vraiment, je souhaite que d'autres artistes, d'autres musiciens fassent pareil. Bon, je comprends, des fois c'est difficile, mais d'un côté, c'est vraiment pas grand-chose de penser à des gens qui sont en prison pour rien. Ça, ils n'ont rien fait, ils ont écrit un texte, ils ont publié une chanson, publié un article, ils ont publié une photo, et ils se retrouvent en prison. Donc voilà, ce soir, je remercie vraiment infiniment les artistes qui sont venus. On a Tireli Ouzar, le groupe de chansons de chanteuses féminines. Il y a aussi Ars Kemzian. Merci infiniment. Et puis il y a Aklidé. Bon, lui, il est de tous les combats depuis longtemps. L'ancien maquilleur. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis. Les sœurs amoureuses, c'est tiré aux arts, c'est ça. Voilà, je vous repasse le micro pour continuer. Merci Hossine et merci à tous les artistes qui sont ici présents. C'est un concert, donc ce n'est pas un meeting politique. Donc on donnera la parole à nos invités. Chacun parlera 5 minutes. J'appellerai en premier. J'appellerai ici sur scène Maître Pierre Brunisseau, membre du collectif international de défense d'Hassan El-Qadi, voilà, pour nous parler de cette affaire, de la façon dont les avocats la traitent et en quoi il s'agit d'une affaire de délit d'opinion principalement. Voilà, Maître Brunisseau, je ne sais pas si vous êtes là dans la salle. Voilà. Merci Yacine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour Monsieur Hirsan El Kadhi, qui est actuellement en détention, il est actuellement en détention parce qu'il fait sa profession. C'est sa profession de journaliste. Monsieur Hirsan El Kadhi, c'est un éminent journaliste qui a la capacité d'investiguer sur des sujets difficiles, de pouvoir aussi sensibiliser l'opinion lorsque c'est nécessaire. Il a cette force de pouvoir percevoir l'intolérable là où il est. Et c'est aujourd'hui pour ça, à cause de son travail, qu'il est dans les geôles du régime algérien. On a énormément de difficultés à pouvoir assurer sa défense à différents niveaux. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps, mais seulement peut-être vous citer quelques exemples. Il est en détention déjà depuis le mois de décembre. Il a effectué plusieurs demandes de mise en liberté et certaines de ces demandes de mise en liberté ont par exemple été audiencées sans même que ses conseils n'aient pu être prévenus. C'est-à-dire qu'on a organisé des audiences sans que ses avocats n'aient pu l'assister et le représenter. Il a également été jugé. Dans un premier temps, on a proposé à ce qu'il soit jugé en visioconférence. Il risquait plus de 10 ans de prison, 14 années d'emprisonnement. On a proposé une visioconférence pour qu'il puisse être jugé. C'est évidemment aux antipodes des standards que l'on peut attendre en termes de procès équitable. Et l'apogée de ces violations des droits de la défense de M. El Khadi, eh bien l'apogée, elle est arrivée au moment où le président de la République lui-même a pris la parole en direct avant son procès pour le traiter publiquement de traître. C'est une manière de museler Hirsan El Khadi, mais c'est aussi une manière de museler le pouvoir judiciaire. C'est aussi la preuve d'une forme de faiblesse de sa part de s'attaquer de cette manière à Hirsan El Khadi en disant « Attention,
la justice n'est pas indépendante et faites attention lorsque M. El-Khadi sera dans le prétoire et vous devrez rendre une décision qui sera extrêmement sévère. Nos revendications, elles sont extrêmement simples. On demande la libération de M. Ersan El-Khadi puisqu'il a été condamné en première instance, mais il a interjeté appel. Cette première condamnation a prononcé une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans ferme, seulement pour avoir fait son travail. Évidemment, cette sanction, elle est inique, elle est injustifiée, et elle doit être contestée. Et c'est pour ça qu'un appel a été interjeté. Alors, moi, j'en appelle à votre solidarité. Si vous pouvez relier sur les réseaux sociaux, signer les pétitions, répondre aux appels qui sont donnés par le collectif d'avocats, mais également le comité de soutien. On a Reporters sans frontières également, qui se bat actuellement pour que la qualité de journaliste de M. Ersan El-Khadi puisse être respectée et qu'il puisse être libéré immédiatement. On a une audience en appel qui est prévue le 21 mai. Le 21 mai qui sera peut-être reportée, mais cette audience du 21 mai, elle est extrêmement importante en appel, puisqu'on demande la relaxe totale de M. Ersan El-Khadi. Et le comité des avocats sera présent, les avocats algériens et également les avocats internationaux pour porter de la rationalité face à une accusation qui n'en a aucune. Je vous remercie. Merci, Maître Brunisso. Bon, encore une fois, il n'est jamais... Inintéressant de le rappeler, en Ersan El-Khadi, nous voyons tous les détenus d'opinion du pays, tous les détenus d'opinion du Maghreb et tous les détenus d'opinion du monde. Nous ne sommes pas nombrilistes, nous ne parlons pas seulement d'Ersan El-Khadi. À travers lui, nous parlons de tous les gens qui souffrent pour leurs opinions ou leurs positions politiques. J'appellerai ici M. Antoine Bernard de Reporters sans frontières. Voilà. Merci d'être venu. Merci. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand honneur d'être parmi vous ce soir pour dire quelques mots pour Reporters sans frontières. Avec Ersan El-Khadi en prison, c'est l'indépendance du journalisme en Algérie qui est aujourd'hui brutalement, fondamentalement remis en cause. Il possédait et animait avec talent, ferveur, les seuls ou parmi les très rares médias qui donnaient encore la parole à toutes et à tous, quelles que soient les idéologies et les bords politiques, Radio M et Maghreb émergent. Rédacteur en chef de la Tribune pendant la décennie noire, il accompagnait ses journalistes dans les zones les plus reculées. Depuis lors, il était et il continue d'être un repère pour nombre de journalistes algériens dans les moments d'espoir, comme celui porté par le Hirak dont il avait rêvé, comme dans les moments tragiques. Et dans un pays, l'Algérie, classé 136e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse de RSF, les moments tragiques s'accumulent. Avec les fermetures de médias, les arrestations, les charges et les poursuites infondées, les dossiers, en effet, s'empilent. Et ce soir, notre solidarité va à tous les journalistes injustement poursuivis ou condamnés, Mustapha Benjamin, Ferid Herbi et Ersan, bien sûr, le symbole d'une liberté de la presse en berne. Je pense aussi, bien sûr, à mon collègue, à mon ami, le représentant de Reporters sans frontières pour l'Afrique du Nord, Khaled Drareni, frappé d'une peine aussi injuste qu'infondée de 3 ans de prison ferme en 2020. En décidant de placer Ersan en détention, les autorités ont clairement choisi d'aller jusqu'au bout de leur logique autoritaire pour museler les médias et adresser un message lourd à ceux qui continuent de défendre le droit à l'information. La lourde peine de 5 ans à laquelle Ersan a été condamné, avec aussi la fermeture de ses médias, une peine absurde, choquante, confirme cette logique de musellement. Surtout que le dossier, on le sait tous, fondé sur l'article 95 bis du Code pénal,
je ne vous en rappellerai pas la charge qu'il comporte, est absolument vide, absurdément vide. Au fond, le seul financement étranger qui soit susceptible d'être reproché au patron Irsan El-Kadhi, au patron de sa société, est celui de son actionnaire de fille, un patron de société algérien, patron d'une société algérienne, une actionnaire algérienne, sa fille, qui vient concourir au sauvetage de la société de son père pendant le Covid, pendant les 2 années du Covid, par un transfert inférieur au total à 29 000 euros, c'est ça qui est censé motiver, fonder, justifier, expliquer l'inexplicable, l'injustifiable, une charge soi-disant formée et qui justifierait une telle peine d'emprisonnement. C'est absurde, c'est choquant. Nous devons absolument tout faire, bien sûr, et nous sommes là ensemble, motivés et engagés, pour contrer ce musellement. Dans le cas d'Irsan, en particulier pour Reporters sans frontières, nous avons lancé un appel avec les 15 patrons de presse et le prix Nobel de la paix Dimitri Moratov pour la libération d'Irsan. Réunis, 13 000 signatures, on peut faire mieux, il faut faire mieux, mais c'est déjà ça pour une pétition pour sa libération. Organiser des rassemblements, saisi en tant que représentant légaux de la famille de Irsan dans les instances et les mécanismes internationaux, saisi les mécanismes des Nations Unies, la rapporte spéciale sur la liberté d'opinion et d'expression, le groupe de travail sur la détention arbitraire. Nous avons saisi les autorités nationales au plus haut niveau, y compris les autorités algériennes. Oui, y compris les autorités algériennes, car il faut les mettre devant leurs responsabilités face à ces pratiques absolument odieuses. Et demain, nos regards seront tournés vers Bruxelles, ou plutôt vers Strasbourg, vers le Parlement européen, pour l'adoption, nous l'espérons, à partir de midi, d'une résolution extrêmement importante sur la liberté de la presse et les violations systématiques de la liberté de la presse en Algérie, symbolisées par le cas, l'affaire, le dossier de Irsan El-Kadhi. Nous ne nous arrêterons qu'avec sa libération. Pour conclure, je voudrais partager avec vous un court message que Irsan et son frère Riles ont voulu que je vous lise. Pardon, son fils, excusez-moi, son fils Riles, c'est l'émotion. Ont voulu que je vous lise. Il ne pouvait pas être là ce soir. Il vous remercie, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. On aurait voulu être là avec vous tous, mais on n'a malheureusement pas pu. Votre solidarité nous fait chaud au cœur et nous aide à surmonter cette terrible injustice à laquelle fait face notre père depuis plus de 4 mois. Il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir fait son travail de journaliste. Il est condamné pour avoir rêvé de médias indépendants en Algérie. Ce soir, votre présence réaffirme la volonté des Algériennes et des Algériens à avoir accès à une presse libre, indépendante, pluraliste et professionnelle. Nous ne sommes pas seuls. Le combat continue. Merci à vous. Merci à Antoine Bernard, merci à toutes les organisations qui se sont solidarisées avec Irsan El-Kadhi, merci aux organisations professionnelles des journalistes, merci aux syndicats et merci aux milliers de personnes qui ont signé toutes ces pétitions pour Irsan El-Kadhi et pour les détenus d'opinion. N'oublions pas que c'est par ce soutien que n'obtiendra probablement, nous l'espérons, la libération d'Irsan El-Kadhi et de tous les détenus d'opinion. C'est la mobilisation des sociétés, de la société civile, des associations, des syndicats, qui est le levier le plus important pour la défense des droits et des libertés. Sans plus tarder, j'appellerai Hakim Haddad qui est là. Hakim Haddad, lui-même ancien détenu d'opinion, il ne s'agit pas d'un témoignage, il s'agit simplement de dire peut-être ici le sentiment qu'on peut avoir quand on a été détenu pour ses opinions et non pas pour un crime qu'on aurait commis. Merci à Hakim d'être venu. Voilà.
Salam alaikum, Azulfulaoun, bonsoir tout le monde. Sans vouloir être désagréable, je ne remercierai personne, mais je saluerai tout le monde, ceux qui sont là, ceux qui ont organisé cette initiative, ceux et celles qui vont produire le spectacle que vous allez avoir le plaisir et que nous allons avoir le plaisir de voir et d'entendre. Je ne remercierai personne parce que c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses encore plus quand on est à l'extérieur de l'Algérie, qui est devenue malheureusement pour les militants, les journalistes, les citoyens et citoyennes lambda, une prison à ciel ouvert malheureusement. Donc je salue tout le monde et effectivement c'est que par ces moyens-là que nous pourrons, toutes et tous ensemble, en multipliant ce genre d'initiatives, en signant des pétitions pour Qadi Hsen et pour d'autres, que nous arriverons à les faire sortir tôt ou tard, parce qu'ils sortiront tôt ou tard. Je veux saluer en premier lieu, parce que ça a un sens, Cheikh Sidi Bémol et toutes les chanteuses et les chanteurs qui se produiront ici, Cheikh Sidi Bémol bien évidemment, avec son équipe, parce que j'estime que la moindre des choses, et j'espère que c'est partagé, que la moindre des choses est que des artistes, des intellectuels et autres se sortent de leur carcan et aient le courage et osent dire les choses pour la liberté, parce que la culture, c'est aussi la liberté et a besoin de liberté pour vivre. Donc vraiment, je salue du fond du cœur votre engagement, surtout sachant qu'un jour ou l'autre, vous pourrez repartir, et j'espère avec nous tous et toutes, en Algérie. Également, je voudrais pointer un peu une personne qui est ici, qui, parce que, encore une fois, ça a un sens, sans vous tarder, il y a ici même présent, caché quelque part avec un masque, le fils de Maurice Audin, en l'occurrence Pierre Audin, qui est ici, dans l'anonymat. Et je pense que ça a un grand sens que le fils de Pierre Audin, qui nous a aidés, qui a participé avec nous en tant qu'Algérien à libérer ce pays et à faire en sorte que ce pays, dans son rêve et ce rêve que nous continuons à véhiculer, soit un pays pluriel, un pays démocratique, un pays ouvert aux idées et aux opinions, entre autres à travers, la presse. Ce que je voudrais dire également, c'est que Qadi Hsen, comme ça vient d'être dit plusieurs fois par Yacine, est un parmi d'autres, un parmi des dizaines et encore plus, probablement des centaines de détenus d'opinion. Je ne vais pas m'attarder, bien sûr, il y a Raouf Farah, bien sûr, il y en a tant d'autres, voilà, il y en a tant d'autres. Il y a Ahmed Ghasmi dans le désert, dans le sud, parce qu'il faut aussi penser à ces gens-là. Il y a des femmes également, 5 ou 6 femmes qui sont emprisonnées. Donc à travers le Qadi Hsen, c'est à toutes les prisonnières politiques, à tous les prisonniers politiques pour lesquels nous devons nous mobiliser. Une chose, moi j'ai connu Qadi Hsen depuis très longtemps, depuis effectivement la tribune en l'occurrence. Et ce qu'il y a lieu de savoir, sans vouloir froisser un peu le message qu'on essaye de faire passer, ce n'est pas uniquement un journaliste. C'est un militant. C'est un militant politique qui a porté haut et fort et depuis extrêmement longtemps les idées et les idéaux qui sont les siens et qui sont les nôtres et que nous partageons avec lui. Donc oui, il paye parce qu'il est journaliste, mais aussi il paye pas seulement parce qu'il veut la liberté de la presse, il paye parce qu'il veut la liberté, comme nous toutes et tous, pour tous les Algériens et pour l'Algérie et pour les Algériennes. C'est aussi une des raisons, il faut le savoir, c'est un journaliste, oui, bien évidemment, mais c'est également un militant et il n'a jamais cessé de l'être. Je ne vais pas rappeler son passif, mais la prison, malheureusement, il y a déjà goûté dans les années 80, en 80, suite au printemps démocratique, ou en tout cas qu'on appelle le printemps berbère. Ce que je dirais en tant qu'ancien détenu, parce que je ne suis pas juste un ancien détenu, heureusement, c'est que, c'est vraiment pour tout le monde, celles et ceux qui sont là, mais celles et ceux qui écouteront, verront, etc. Je vous assure, d'abord, la première chose, rien ne se fait, on n'arrivera à rien sans mobilisation. Il ne faut pas espérer que tel clan veuille faire un coup à tel autre clan pour que libérer Qadi Hsen demain ou d'autres détenus après-demain et l'ensemble des détenus d'ici la semaine prochaine.
c'est que la mobilisation, c'est que l'information qui passera et les mobilisations partout dans le monde qui feront que ces gens-là, tant qu'on ne met pas dans la gêne et plus encore le pouvoir algérien à travers le Parlement européen, à travers d'autres parlements dans le monde, à travers les organisations, à travers les individus, à travers des personnalités, y compris comme celles et ceux qui peuvent parler, dont on peut entendre la voix, rien ne se fera. Donc oui, c'est important et c'est fondamental que ces mobilisations aient lieu. Juste, je témoignerai sur la question d'un détenu. J'ai entendu de personnes tout à l'heure le dire, et beaucoup d'autres le pensaient avant, et je peux comprendre, qui disent « mais ça ne sert à rien, ça n'arrive pas, on n'y arrivera pas, et ça n'arrive pas, on n'arrivera pas à faire libérer Ghadi Hassan ». Alors même si vous pensez ça, et pourtant je pense franchement que c'est faux, au moins faisons-le, parce que les détenus, quand j'étais en prison, quand d'autres étaient en prison, tout arrive de l'extérieur et pas seulement par les avocats. Tout arrive de l'extérieur, par les bois, les informations, quand des détenus quand de nouveaux détenus arrivent, quand certains ont le privilège d'avoir et de voir leur famille, quand les avocats viennent, ils disent demain, ils disent ce qui se passe dehors, ils parlent des mobilisations, ils parlent de ce que la presse a écrit, ils parlent de vous tous qui pensez à lui. Et ça, ça donne le courage de continuer. Ça, c'est fondamental pour un détenu. C'est fondamental et donc, au moins, même si on ne pense pas, même si certains ne pensent pas qu'à travers ces mobilisations, on arrivera à les libérer, eh bien, au moins, on réchauffera leur cœur dans les prisons et dans les geôles du pouvoir et du régime algérien. Donc, dernière chose à dire, encore une fois, moi, j'ai confiance en Ghadi Hassan. J'ai confiance dans tous les autres détenus, particulièrement dans le Ghadi Hassan, parce qu'il tiendra le coup. J'espère juste que sa santé, bien évidemment, tiendra. Et je finis juste pour sa famille un mot. Respect, respect, respect pour cette famille qui reste debout malgré tout ce qu'elle est en train de vivre. Merci. Merci, Hakim. Peut-être un mot pour justement être dans l'idée d'une mobilisation pour tous et non pas pour une personne ou pour une catégorie professionnelle. Peut-être un mot pour Mostafa Benjama, qui lui aussi est en prison et pour lequel nous avons une pensée aujourd'hui. Son cas est moins connu que le cas d'Hassan Ghadi. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une affaire de délit d'opinion qui est digne de notre intérêt et de notre mobilisation. Il me semble qu'il y a une pétition en circulation actuellement pour la libération de Mostafa Benjama et j'appelle tout le monde à la signer. J'appelle en dernier Aïssa Rahmoun qui parlera en tant que vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, dissoute, injustement dissoute, et en tant que vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc, Metaïs Rahmoun, t'faddal. Azoul, salam alaikum, bonsoir tout le monde. C'est quand même un peu drôle et un peu choquant de se retrouver pour une Algérie qui, on est à plus de 2 millions de kilomètres carrés. On n'arrive pas à avoir un espace de 50 mètres carrés pour se réunir, pour s'entendre, pour se comprendre et pour entreprendre. Alors qu'au cirque électrique, c'est à peu près un espace de 50 mètres carrés. Il y a de belles femmes, de beaux visages, des artistes, des écrivains, des journalistes, des défenseurs, des jeunes énergies pour crier, pour dire, en fin de compte, on n'est pas dans le meilleur des mondes, que l'Algérie est un cirque Ammar. Pour ceux qui connaissent le cirque Ammar,
qu'on est devenu à travers ce régime despotique, la risée du monde. Pour ce pays, continent, qui regorge de toutes ses énergies, de toutes ses richesses économiques, sociétales, culturelles, politiques, etc., etc. On n'arrive plus à se voir en face et à discuter, même avec nos adversaires. Marhaba bihom. Qu'ils soient les bienvenus pour négocier, discuter, libérer les détenus qui sont otages du régime. Ils nous refusent même un droit élémentaire. C'est le droit que nous avons têté au sein de nos mères. Dire « Avava, maman, mon frère, father, sister, mon amour pour la patrie ». C'est quand même désolant de se retrouver aujourd'hui, Qadi Ahsan Mustafa Ben Jama, deux journalistes, c'est une corporation, mais qui a échappé en fin de compte au dictat de ce régime. J'ai une pensée très particulière aux femmes algériennes. Camira Neitzid, Wafia Sifouen, et d'autres kahinettes qui sont aujourd'hui emprisonnées par le régime, sous contrôle judiciaire, harcelées par un régime qui est la négation de l'existence elle-même. Une pensée très particulière à mes confrères et consoeurs, les défenseurs, les avocats, Mehdi Zidane, Raouf Arslan, Mounir Gharbi de Burj Bararij. J'ai une pensée très particulière aux défenseurs des droits de l'homme, Mounir Kalesh. 2 ans sans jugement, cadre de la LADDH, dissoute par le régime, mais qui vit en vous, mais en nous aussi. Une pensée très particulière à tous ces chômeurs du Sud, un pays riche comme l'Algérie, qui regorge de richesses naturelles, minières, gazières, pétrolières, un peuple pauvre. C'est tout ça qui nous a fait révolter. C'est tout ça que le Qadi Ihsan et tant d'autres ont défendu, ont permis, parce que le droit à l'information, c'est un droit constitutionnel, certes, mais c'est un droit que le régime refuse aux Algériens. Tout citoyen algérien a le droit à se former, à s'informer, à être bien logé, à vivre en dignité. Vous savez, quand on ôte à un humain, femme et homme, deux droits, et c'est les plus élémentaires. 1, le droit à la dignité, vivre dignement, le droit à la liberté. Quand la justice algérienne est une justice aux ordres, Adalat téléphone, j'étais, je conjugue ça au passé, praticien du droit. Et j'en ai vu et mangé des vertes et des pourries. Même pas mûres. Des vertes et des pourries. Quand on examine des dossiers devant un parquetier zélé par la force des choses. Chiyet, khdam hazam, qui m'a dit le bled. Ou le juge d'instruction qui a l'occasion d'une affaire, qui m'a l'affaire Talqadi Ihsan, qui est oustad, maître, je m'excuse, ça vient d'en haut, avec le petit doigt qui ridiculise ta carrière et ton serment. Quand tous ces appareils de l'État sont inféodés à la police politique, que reste-t-il d'un pays? Que reste-t-il de l'espoir de cette jeunesse? De nous. De nous.
Parce qu'en fin de compte, comme disait Woody Allen, la démocratie, ماشي هذاك اللي يقول شرك فمك. La démocratie, c'est cause toujours. N'est-ce pas, Antoine? Et la dictature, c'est ferme ta gueule. On est dans quel cas de figure aujourd'hui en Algérie? On est dans le deuxième cas de figure. Pour être très optimiste et puis sur une note d'optimisme, l'espoir est toujours permis. Et je termine par cette anecdote, plutôt une histoire vraie, c'est pas moi, c'est Schopenhauer, qui décrivait le cycle de vie des humains par cette petite histoire des petits animaux, les porcs-épics, qui, en période d'hibernation, vous savez, l'hibernation, c'est dans les périodes de grand froid, ils se mettaient sous terre pour se protéger du froid. Mais c'est des petits animaux qui se piquaient entre eux parce qu'ils avaient besoin de chaleur. Et quand ils cherchaient cette chaleur pour se mettre à l'abri du froid, se piquaient en même temps, ils se font très mal. Probablement trop mal, à tel point de saigner, comme on saigne aujourd'hui, si Yassine. Et quand le mal est atroce, ils se séparaient pour avoir un peu de répit. Quand ils ont du répit, le froid les rattrape. Il fallait se remettre encore une fois ensemble et se piquer une autre fois. Tous les hivers passent. Notre printemps va sûrement arriver. Je vous remercie. Merci Aïssa. Avec Saha. Voilà. Et voilà. Je vous remercie encore une fois d'être venus nombreux. Je n'oublierai pas de remercier tous les amis IES qui ont aidé à l'organisation de cet événement. Je ne citerai ici que Amara, sans qui nous n'aurions peut-être pas pu organiser comme il se doit ce rendez-vous. Je remercie également Toufiq, mobilisé discrètement, mais toujours aussi sûrement. Je remercie notre ami Sanhaja aussi. J'en oublie sans doute. Excusez-moi si j'en oublie. Encore une fois, c'est par la mobilisation des gens réels dans leurs organisations, en tant que personne, en tant qu'individualité, qu'on fera quelque chose pour les détenus d'opinion. C'est ce soutien qui est plus efficace que le soutien versatile des États qui toujours dépend de leurs intérêts changeants. Donc, merci surtout aux gens qui se mobilisent pour la libération des détenus, pour la libération des journalistes emprisonnés. Libérer Ehsan Al-Qadi, libérer les détenus d'opinion. Et sans trop tarder, je vous laisse à l'activité centrale de cette soirée, donc au concert avec les artistes que je remercie de nouveau d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, je suis avec mon acolyte de toujours, Abdelnour Djemaï, ce soir. Abdelnour, Atek Saha.
قاست السم ورد الشيون السول الشويكي وقاذنا أبو جغللو أبو جغللو أذوي ذك كتابان ذا صورتي كاني ضمعان أبو جغللو أبو جغللو أذنب ثناراكي عفزن أسمرك بني ظريما يا سي يا سي يا سي يا سي جمع فوق بني عمي فطف ما بريد استهريم أبو جغللو أبو جغللو سلزو قاثن يضفي ويني وضع النبي غليم أبو جغللو أبو جغللو عاشي زد الثري النرضي هز النغد قرن الدين يا سي يا سي يا سي يا سي ولا باب ديا زكيس يجاكي دذن واليس أبو جغللو أبو جغللو هاول زميري مانيس يرنا جغل لا غطيريس أبو جغللو أبو جغللو يشكي طمعات ومكانيس حسد النفول والراويس يا سي يا سي يا سي هيا publié s'appelle Chouf en fait. Et quand on a écrit la chanson à dire, quand j'ai fait Chouf, en fait, je savais pas très bien qu'est-ce qu'il fallait regarder. Je savais qu'on était dans une période où il y a beaucoup de choses qui changent, une période où il y a beaucoup de choses qui ne seront jamais plus comme avant,
où il fallait ouvrir les yeux. Lazem tchouf mleh, tchouf baïd. Mais tchouf wesh, je sais pas. Et شافونا خافوا كيما جاوا راحوا شوف خويا شوف راني واقين نهترف وكاسي ناشف مي مازال واقف والسن دبار راني دكامو تركب ثوت الجار راني دكامو لم نايل عسكر chanter avec vous maintenant une chanson qui s'appelle Mzouarou. C'est une chanson des chants marins kabyles et je crois qu'elle est tout indiquée ce soir hein. Parce que le premier c'est Vaskari, c'est un militaire. Je ne veux pas aller avec lui,
Le deuxième, c'est un politicien pareil. Le troisième, c'est un barbu qui garde sa barbe. Et le quatrième, c'est un marin qui chante des chansons et qui a un cœur rempli d'amour. Maintenant, j'aimerais bien appeler Ferré Ozar, qu'elle vienne nous chanter quelques belles chansons. Donc, ce soir, ça va être un truc comme ça. On chante quelques morceaux, après, quelqu'un d'autre va chanter, ensuite un autre, etc. Et je reviens, et puis voilà. Ferré Ozar. Azul. Bonsoir et... Alaykoum. ما سرح مرة حساقية سيسا الشيخ سرح مرة ولا أوفا سرح قيدا يونت منيس pour tous les détenus d'opinion tous sans exception bon je pense qu'ils ont tout dit ce qui était passé avant donc exceptionnellement aujourd'hui, on ne fera pas de speech. C'est nos voix qu'on va élever et qu'on fera à qui on fera traverser la Méditerranée. Et tout le monde nous entendra et ils sauront que
j'ai lu une très belle phrase aujourd'hui qui est que ce qu'on s'autorise d'espérer prend racine quelque part. C'est sur la 11, la ligne 11, et j'ai trouvé ça mais très très joli. C'est un signe. En fait, elle me relègue à l'arrière, mais mal. Elle fait déjà des rumeurs, ma sœur. فيكوثي روميني دوري ويسمس حازا زاري سياخ نبضاني فردانا سياخ نبضاني فردانا ميث روح تقنا وثاد وفرار أضد ينم ضار الزين في ثمرتي فرقانا الزين في ثمرتي فرقانا ذق دورا فهو عبار من رمضان ممغار وانا هني غدوج ونوسا هذي في زيم سكفن مثل حلل يرجث العقل مثل حلل يرجث العقل أم حكاية صغيق وان الرد برزيداني ثهر رضا طاسد القلة أي ثهر رضا طاسد الحبسة كل ثمر في افغال جرنا نذي في الزيم سكفن مذل حلل يرجى في العقل مذل حلل يرجى في العقل أم حكاية صغيق وان الرد برزيداني فهر رضا طاسد الحبسة أي فهر رضا طاسد الحبسة تظريه ضايني فاني فان مصردي يفلان ويفهن ويضا كثيري فدلا تظريه ضايني فاني صردي يا فلان ويتهنوي ضاك سيف الدلال يا لا 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 يا لا 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 ويا لا 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 لا
cité Berzidane de Matou Blounès par les voix de Sire Réouzar. Et maintenant, on va passer... Bon, Naïma va aussi vous chanter. Elle a choisi, parce qu'en fait, on fait des choix à nous. C'est la démocratie. C'est pour ça que c'est difficile d'être démocrate parfois. Mais bon, Naïma, son choix aujourd'hui a été de vous offrir un chant de Jemal Alem. Fifirless. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée pendant le Hirak, avec l'espoir que ça s'arrête un jour, toute cette oppression. Et malheureusement, ça continue, mais je vais continuer à chanter le printemps et le retour des hirondelles. Voilà. اسمرت تغال في نوث في سام السني غتفاك يرثى نفا يوكنا نفرح يس أديو غالي في للاس يوكنا نفرح يس أديو غالي في رلاس اسمرا فحكام الفاما أنيني في موسني العسلامة أتجوجك في سوف كل فاما يجهد وفريذي يذلس أديو غالي في رلس يجهد وفريدي يذلس أديو غالي في رلس أسمر نشفو نويد تبوث أفو فحل النار فشو يحبس عيني في قشنا والله ما نتوف عيني في قحبس والله ما نتوف فجنان تريث مزغى ثفرس أديو غالي في رلس فجنان تريث مزغى ثفرس أديو غالي في رلس اسمرا فحكم الفاما أنيني والمؤمي على عسلامة اسمرا فحكام الفهامة أنيني في موسني على عسلامة فينا وثينا تفرس أديو غالي في رلس ننجار دابري في يذلس أديو غالي في رلس ننجار دبري ذي يذرس أديو غالي في رلس ننجار دبري ذي يذرس أديو غالي في رلس أديو غالي في رلس Les hirondelles reviendront. Maintenant, c'est Samia qui va... Alors là, c'est le répertoire de Thérèse. Elle va vous faire un achouir kabyle. Adjadarmé. Jusqu'à maintenant, les gendarmes partent avec des papiers et ils tapent la nuit aux portes de nos frères en Algérie et nos sœurs pour les embarquer. Je leur offre ce chant, Adjadarmé, qui est né au plus fort d'une des grandes tragédie que nous avons connue il y a une vingtaine d'années. Je n'aime pas l'appeler printemps noir. Je l'appelle toujours le printemps rouge. Donc c'est un printemps qui est rouge du sang de toute cette jeunesse et ses victimes qui n'ont fait que rêver d'une autre Algérie pour tous les Algériens.
يتينا يا جدار مهيغا ساقيم سيذري العيون نسميسنا قض قال مازينا ميكس جيط الكانون تيل اللي هاين تنادي وذاك الحار ذا يمشو ما اين ذاك الحار ذا يمشو ما ايا بريدي عزوكنا رزاينا مليلي ثاصبحي تي ثافراغي يوقصري وما دي عدي مي بلانتا ساونتا لاتي بسيرك لين تنسو بلاندي هاي سيرك لين تنسو بلاندي نبري ذن ودامي زورا تشفي ضي زور ثخنو ناس تشفاف ثالحور تيل اللي نادها سيسمي أرلاق صار ثبض النور أقشيش يا قلد القدر ساي أقشيش يا قلد القدر ساي يا بريدين وفلها يا تسوى راث الدوالا كتشينا ما سيني سأغمي ثوليل سنهز ثاسا أذرر يا ساولي وذرر تترو يما قورا يا غاي تترو يما قورا يا Liberté pour Kamera Nassid, liberté à tous les prisonniers d'opinion partout en Algérie. Kamera, on l'a connue toutes les trois, on s'est battue tout ensemble pour les droits des femmes. Et aujourd'hui, une grande pensée pour elle et bien sûr pour tous les détenus d'opinion dans le monde. Il faut pas qu'on les oublie, on est là, on est réunis pour le rappeler. Leur rappeler qu'on pense à eux. Kamera, je pense très fort à toi. Non, c'est pas encore fini. Je pensais que c'était le tour d'une autre personne. Si, et c'est à nous de l'appeler. C'est ça, Cherou. C'est oui. Toi qui anime. Explique. Expliquez, expliquez. D'accord. Et ben voilà, ça fait plaisir parce que c'est une scène libre. Et en fait, c'est tout ce qu'ils nous font en réalité en Algérie. Qu'on s'accepte. Même si nous avons nos opinions qui sont différentes. Mais c'est aussi ça la richesse de notre pays. C'est ça qui nous fait avancer. C'est très important qu'on le comprenne. Donc on appelle notre ami, Ehlide, voisin, Ehli,
Il est prêt avec sa guitare. Merci. Et voilà. Echli. Toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. Azuf Lawan, salut. Je vais le dire en algérien, pas peut-être Saheto. Effectivement, je suis là pour la même cause, pour tous les détenus d'opinion. Et j'ai un ami qui, depuis 2 semaines, il est en prison. Il n'a rien fait, absolument rien fait. Il n'a aucune opinion d'ailleurs. Il est parti juste en vacances. C'est triste d'aller en vacances voir sa famille se retrouver en prison parce qu'il a porté un t-shirt peut-être qui est le Z berbère, le Z amazir, qui s'appelle Bled Mamouni. Je vais vous chanter une chanson. Ça s'appelle Ergo. C'est une chanson qui parle de cette maison, de ce pays que j'ai quitté depuis tant d'années. Aujourd'hui, ça se trouve que si je rentre, c'est pareil. Ce sera comme mes soeurs et mes frères qui sont en prison. On a parlé de Camille Racine. Camille Racine, j'ai été avec elle à l'ONU. C'est une femme qui se bat tout simplement pour notre cause, Amazir. Aujourd'hui, je vois que ceux qui ont tué près de 400 000 ou 300 000, 400 000 personnes, ils sont en liberté. Et tous ceux qui se battent pour les droits humains, ils sont en prison. عشت شول في مولان ورقاك يا خام ولدي نفقون لان ورقاك يا فرق ورقاك يا فرق نجمع مزيكني انا وزيترن يثمو شوهم السين تسخين ما ترقيت اجمع ثنن فيه ورقاك يا خام أرقو ديرك بغريب أرقو ديرك وجيل أرقو ديرك بغريب أرقو وكي غذا وحيد يا خام نعشت شرطي مولان ورقاك يا خام
ولدين فكون الان وركاك يا فراي وركاز وريغي واس هوي ذاك عزيزان انشال هاري وباس اصرح قاربان اسخيل ما تركيت هل في كرسان وركاك يا خام هارقو يركب بغريب هارقو يركب وجيب هارقو يركب بغريب وركب وكذا توحيد Moi, je crois à cette Algérie, je crois à cette Afrique, je crois à l'humanité. Ma première expérience humanitaire, c'était avec M. l'abbé Pierre. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit, tiens, à qui si tu venais chanter? J'étais un chanteur de rue. J'ai dit, ok, je viens chanter, c'était Jean-Claude Amara, l'ami... le bras droit de l'abbé Pierre. J'arrive à Châtelet, le rendez-vous c'était à Châtelet. Il fallait qu'on rentre dans un immeuble où il y avait des sans-papiers. Monsieur l'abbé Pierre était dans un caisson, moi je chantais sur le caisson, on est parti avec une camionnette, on est rentré dans l'immeuble, il y avait une grande porte. Pour qu'on ne les expulse pas, il fallait que monsieur l'abbé Pierre rentre dans cet immeuble. Et c'est comme ça que ça a commencé ma première expérience d'engagement dans l'humanitaire. Merci, monsieur l'abbé Pierre. Je vais vous chanter la chanson Yedzeiri. Je pense qu'aujourd'hui, le problème en Algérie, il faut qu'on se le dise réellement clairement, c'est l'union. C'est vrai qu'on est... on dit toujours, c'est les Kabyles, les Berbères, ils parlent tous, ils disent toujours. Mais les autres, c'est qui les autres? C'est nos frères arabophones. Il va falloir qu'ils disent qu'ils sont aussi africains, qu'ils sont amazirs. Sinon, l'Algérie ne sera jamais unie. Je respecte nos frères arabophones algériens. Ils sont des amazirs. Je respecte aussi qu'ils parlent en arabe. Mais il va falloir qu'on s'unisse, pour qu'on s'unisse, il va falloir qu'on se dise qu'on est des Africains, qu'on est des Amazirs. Voilà, on est d'orzelt, des harala yisrava, mais c'est de filaouni yotan, goudera l'aïtsnaza. ولا غميس الفرعون ليس فري رواتي ميسن يوفرت النظام وذرا الذي تمكتي وذرا الذي تمكتي عطان بباس ما تشد الجنون دي العاصمة وكنيسي النادان الجزائر تكفينا وتكفيكم افا 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 يا الجزائري ذا شوكي صدنا
بالبحر الشرقي هي تزيري ذشاكي سحنون فجراكي تجي الثغلي ولغمس العالم يشعز برير النوم مثل تزير ذغريب سوالني سكزهو ولا غيلي سلافان زورن سيلسي الامكان يلي سنهو بالتهذل سوغ ديك فردان افمي سنداي اللافا اشحال ايامي كنفا لا الكوار لا الخدمة لا السياقافا بابا سيموثي الفتنة هذا بابا 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 هي تزيري ذا شوكي صدنا بابحر رومي هي تزيري ذا شاكي سحلون غفر نصي فجض يغلي هي تزيري ذا شوكي صدنا ذا بحر شرقي هي تزيري ذا شوكي صدنا ذا بحر رومي هي تزيري ذا شاكي سحلون ذا رسل مزيغي تجي يغلي Merci à vous. Merci. Je voudrais tout simplement vous dire que l'Algérie est une terre amazigh, que l'Algérie, avant tout, est une terre africaine. Tel mythe. Yes, papa. Je vous annonce, je dénonce Monsieur Arz Kamzian. Bonsoir. Comme dirait un ami malien, c'est comme au village, d'accord ? Bien sûr, toutes mes pensées vont à ces détenus d'opinion, parce qu'ils ont osé... écrire ou dire des choses qu'ils pensaient réellement. Donc, du fond de leur geôle, j'aimerais tous ensemble, avec nos cœurs et nos voix, avec nos notes, penser à eux très fort, chanter pour eux, et commémorer et leur dire qu'on est là.
qu'on n'est pas loin, qu'on pense à eux et qu'on est tous ensemble. Merci à vous. Donc, je vais vous faire une chanson qui s'appelle « Farewell Anna ». C'est une de mes chansons. Cette paix très chère. Moi, je suis né dans la... Normalement, je suis un enfant de la paix, mais je ne l'ai jamais vue. Et je voudrais juste crier haut et fort qu'on la veut, cette paix. Farewell Anna, c'est juste un cri de ce peuple qui a tant souffert et qui cherche désespérément cette paix. Voilà, merci à vous. Il paraît que je suis né sous une bonne étoile. Le clair de lune, le soleil et un beau bleu dans le ciel. En temps de paix dans une guerre. Une guerre qui ne dit pas son nom. Il paraît que je suis né. J'ai su plus tard que ce n'était que trêve. Que la paix n'était qu'un rêve. Que la paix n'était qu'un rêve. Morné, tout comme toi. Comme moi qui rêve. Comme moi qui rêve. يخاقولي والحيلي يسف كاس يفاق الخطري والهم يرناياس عندك مال هنا نتراجو كلاس سنادي غلف غي وبريدي عرقاس اقنا غنص براس الحالة مساس نعنسي ينوان اغداوي نتواس اقنا غنص براس الحالة مساس نعنسي ينوان اغداوي نتواس اوه هنا هنا عرس دان هنا هو هنا هنا نكوني تاروى مال هنا امي ظلم مساء كمين السار مال هنا صحا ذل هنا يناني مزورا نسو مثل لي فاوي ذي عصرا سلك سدل كيف ثتو مغورا نسني كان حيفي غي الصغران نكهدا سيف نسلي مغارن في ثم سدن النيف يولا شاغليف خاس ماذا غيليف يدي زوارن في ثم سدن النيف يولا شاغليف خاس ماذا غيليف يدي زوارن افيك موا او هنا عرس دارنا افو نكوني تاروى مالنا عاود عرس دارنا نكوني تاروى مالنا مي ظلم مسا كمين السار مالنا صحا ذلنا ميناني مزورا فشور نذنا مفثر ومث صدا يا ذرارينا باش وزد السوكسا سكر المحنا يقضو الثقصا الحالة ذا سكنا وركض غات عيسا اثر والهنا والله يزورنا كنا ثقف الفثنا الهن وردرسا اثر والهنا والله يزورنا كنا ثقف الفثنا الهن وردرسا عرس دارنا نكوني تاروى مالنا عرس دارنا
لتروى مال ذنامي ظل مساء من السر مالنا صح ذلنا إنني مزورة وهلهنا عرس دارنا وهلهنا نكون تروى أمي ظل مساء من السهر مرنا صح بلنا إنني مزورة وهلنا بسي Comme on cherche la paix, bah, on va leur dire à ceux qui l'ont, comme on dit chez nous, Sahaitu. Donc je vais vous faire une chanson qui s'appelle Sahaitu. Et je vais leur dire aussi Sahaitu parce qu'ils l'ont bien planqué celle-là. يدخل ويكانك زبر النور تحواج مراثي الساس كل ويكانك وارنت سفدمت نبلا مساس كل ويكانك زبر النور تحواج مراثي الساس كل ويكانك وارنت سفدمت نبلا مساس يطيج تكون ويثيفر ريار أنا غنوى يدرن كل ويكاني بيسيتو صاحيتو صاحيتو يطيج تكون ويثيفر ريار أنا غنوى يدرن كل ويكاني بيسيتو صاحيتو صاحيتو أصحيتو إيه أصحيتو صحيتو أصحيتو إيه أصحيتو صحيتو إن شاء الله ذم كل ذا قل لك سيفانا للوش في السينما ماذا غافت ربي مذي الوحوش شرذم كل ذا والنكسي فانا للوش في السينما ماذا غافت ربي مذي الوحوش يلا يا ولا عرقوش مكل شثنا وبرهوش سي فوكس رمثتو ما صحيتو صحيتو يلا يا ولا عرقوش مكل شثنا وبرهوش سي فوكس رمثتو ما إيه صحيتو إيه صحيتو 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 إيه صحيتو صحيتو إن شاء الله ذم كل ذا والإكسي فانا للوش في السينما ماذا غافت ربي مذي الوحوش إن شاء الله ذم كل ذا والإكسي فانا للوش في السينما ماذا غافت ربي مذي الوحوش يلا يا ولا عرقوش كل شذلة وبرهوش سي فوكس أنا ما تدو صحيتو صحيتو يلا يا ولا عرقوش كل شذلة وبرهوش سي فوكس أنا ما تدو إيه صحيتو إيه صحيتو 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 إيه صحيتو صحيتو غير كل ويد فلامي هنوان وما يبان ذا الذي لقى كلني نتيذي اللوان نحرز كان ينسى غير كل ويد فلامي هنوان وما يبان ذا الذي لقى كلني نتيذي اللوان نحرز كان ينسى يولش ذا شي وني وني توني ذكرى يضوان ثرمت ساكو ضمان شدو ما صاحيتو صاحيتو ولاش ذا شي وني وني توني ذكرى يضوان ثرمت ساكو ضمان شدو ما صاحيتو صاحيتو ما صاحيتو إيه صاحيتو صاحيتو ما صاحيتو إيه صاحيتو صاحيتو قال دفرس نصحيتو وتغلي ثلور يعفي بصحيتو ذا شكاث وميس نصحيتو ورث سامر حبيب ورث سامر طبيب ياكي سري انديتو ما صحيتو صحيتو ورث سامر حبيب ورث سامر طبيب ياكي سري انديتو ما أصحيتو أصحيتو صحيتو أصحيتو أصحيتو صحيتو أصحيتو أصحيتو صحيتو أصحيتو أصحيتو صحيتو أصحيتو أحيتو أحيتو merci beaucoup.
Merci à vous et peut-être à tout à l'heure. Merci. Grand. Hein. Alors j'appelle Abdelnour et en attendant il y a Saliha qui veut lire un poème. Donc si elle est toujours partante, en attendant qu'on s'installe. كيفاش كان دينير ابا ابا لا ديكتاتور في اللي يوراو نتللي نيغاس الجزائر مشهور يسميم تفكير فو سفراويم وين ديكرن كيمي دي سفين ثنغان نغثن فين كن الحقي مرديت فين دا سليمان يزم تغزا يشنا يسفران يجايع ديال ذلمانا تقرأي مظل دي الغربة دا المولود اسمي ديارنا ستفينا انتا يقورا ايني زراد وين يكوي سعدا غضران توريك ملايني بدا اسماعيل انتا زينو جمعان السرار دي سوفار في ثمورثن الجزائر تقرأ موثنس الاغبار وراوي ذرار طهر جاود طهر صديق تبعنا زرم صامضيق كسني ومغفون الخيق توا مظلان ذكي ونمضيق إما سينيسا سمي ديارنا ذي لاربعانة الدولة غضران تذا مغود ذا لقاق أني ذا الحق أنت ثم ذا ذهي غراق يريم زورا ذي نقورا الدلو الناس ذي تنصفا نوفاياك الجروح الدوا الجرحي كيما يغزا ذا الدين ديما قريح يجد الشما اي سمحن وذن زقراغ ذوك سفرو زرفاغ يوعار الحساب يثيفين يا روين نغان ذوين نفين ذوين الراندي الحبس ثورا ربي عزيز نرحميثن ربي عزيز نرحميثن ارثمك حرزيثن اغلين ياك وفي السباي وث يخولا في مزيغان توحبسنا في السباي وث يخولا في مزيغان يخولا في مزيغان تنمير ثنوين مرسي بوكو صحيت مرسي انفينيمون صالحة سلام عليكم 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 يا ضحكة طفيلة والسهرة عافية في الصيف سلام عليك يا دمعة الموي ما من صوت خفيف ولطيف سلام عليكم 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 السلام عليك هي الموجة جديدة في رميلة الألفين سلام عليك المسافة بعيدة فيها شوك ياسمين سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليك قاضي حسان تولدت لي السلام عليك هي الجيب الصافي مول عزين وفاما السلام عليك شي عظيم وخافي بين يديك منا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم يا سيابو ما تبقى سلام عليكم فاسيل سلام Par malheur, la plupart des gens qui sont détenus comme ça, de façon arbitraire, beaucoup on ne les connaît pas. Je veux dire, on ne les connaît pas comme ça spécialement, parce que c'est des gens ordinaires. Donc on n'a pas de raison spéciale de les connaître. Et pourtant, il faut vraiment qu'ils soient dans nos esprits et dans nos cœurs. كان يباث تحت الراية الفيران جيرانو ولا دار لا دوار ما عندو والو وإذا تشفالو ساعة حمال ساعة زبال ساعة كيلو يا اخي صحابو في لاغار سما ووالو يا والو والو سما ووالو يا اخي صحابو في لاغار سما ووالو كل يوم هم طول نهارو كان يهمر منه من هكا طول حياته
وما ادى غير العار ما صور والو هيا والو والو ما صور والو وما ادى غير العار ما صور والو وحد الليلة ياك رجال شهود كسمع الإمام الصلاة خير من النوم نادو قال صورة القمر وما انسى والو هيا والو والو يا ما انسى والو نادو قال صورة القمر وما انسى والو هادي شحال ما بان خبارو جازت القرة والزلزال وجاز عام النوم فاض الواد ودابو الحجار وما بقى والو هيا والو والو يا ما بقى والو فاض الواد ودابو الحجار وما بقى والو Thank you.
حزني للعقل أوادك فول بطل أمن أشهد الزي الساعة أمن أشهد الزي الساعة يا رب زني للعقل أوادك فول بطل أمن أشهد الزي الساعة أمن أشهد الزي الساعة حبس كيف ما يخدموش خلاص تريسيتي لقز مقطوع توحشت القهوة بالأبرص والشر عن الباب يعس ويقبر كيفاش نقي بس ساعتي قربت تصوني دورت أباندي سمحوني ساعتي قربت تصوني دورت أباندي سمحوني للزنقة خرجت معول وفي يدي مطرق كبير أسرعت اللي جاز الأول خليتو خليتو بلا سمير نحن وش أسمعوا باللي حصل جاو طلعوني بسناسل حكموني عند القواجي ديريكسيون السركاجي حكموني عند القواجي ديريكسيون السركاجي السفلان ولا لا فلتن كيشو ماركي ما الخدم كامل قالوا هذا الإنسان نحكموا عليه بالإعدام بزيان قاضي حنان شوية كي حكيت له قاع الميزيرية قال لي انت من المجرمين لازم ما تخلص عشر سنين قال لي انت من المجرمين لازم ما تخلص عشر سنين ضربت التمنية طلقوني توحشت الكارتياسي في بالكوراني نتريني بمشي ونحبط راسي خايف الناس يعقلوني يعكسوني ولا يسبوني قلت ما زال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا قلت ما زال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا لقيت واحد وليد حومة قال لي مرحبا بك يا لي واحد اخر قال لي عسلامة كنا خايفين جامي تولي قلت ما بانت لي حاجة كاين الحباب في هاد الدنيا حطيت قاعي بطرطوار وخليت دموعي تفور حطيت قاعي بطرطوار وخليت دموعي تفور Merci. Bien, je vais rappeler Thierry Ouzard encore une fois. On va faire un deuxième tour plus bref. Et puis, j'espère qu'on verra encore danser les avocats.
Yemahna, pour toutes les personnes qui sont seules et qui sont abandonnées par le frère, leur frère, pardon. Il faut pas qu'on les abandonne. أقلي يا فير الأفحار يا له يا لا 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 يزري ويغلب لا حمالي ماشي ذي زلاناي هوان يا له يا لا 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 ذا لما احنا يقاهق زمن اكسوب اقلي يا فيري نفكر العهد عميروش يا
عزيز يا لا ليلى لا مر مرادا ويا عوين اتراجع يا ما زيزنا لا ليلى لا مر مرادا ويا عوين ايما الموت ادمتع يا لا ليلى لا بركك ما ناديت وذرين أيما الموت أثمت يا لا ليلى لا بركك ما ناديت وذرين إيه حوسي وقوم خاما ذقفوفي الحوصي يا قوم خما لا هنا لا يوفى دورو ذقفوفي زيغ نظلا زيق اللوز يا لا ليلى لا غلمي قد دورو مي كوني ما نلوز يشفح يا لا ليلى لا غفوث ميما للجيري نكوني ما نلوز يشفح يا لا ليلى لا غفوث ميما للجيري Ce chant était chanté par les femmes de notre village lorsqu'ils ont l'armée de colonisation avait arrêté les femmes des Moudjahidines et les ont mis dans une prison. Toutes les femmes sont venues et elles leur ont chanté ces chants-là pour leur donner du courage. Donc c'est pour nos détenus, donc les femmes, mais aussi les hommes, pour leur donner du courage. Mes sœurs m'ont demandé de chanter une chanson. Chante, Samia, chante. Et comme ça s'appelle El Menfi, je me suis rappelé quelque chose, une anecdote, mais je tiens quand même à la partager avec vous. J'étais au primaire, et c'était en 1981. Ma sœur, l'aînée, une de mes sœurs, Debia, était à l'université d'Alger. Et lorsqu'elle revenait le week-end, elle me chantait une chanson pour Ihsan al-Qadi. كدونا الحبس الحرا شهي المنفي والخبز بنسبة شهي المنفي كدونا الحبس الحرا شهي المنفي والخبز بنسبة شهي المنفي قولوا الشعب ما يرمديش هيا المنفي الكوميتي صحيح ما يرمديش هيا المنفي قولوا لامي ما تبكيش هيا المنفي الكوميتي صحيح ما يرمديش هيا المنفي قلنا مجلس تأسيسي هيا المنفي داروا المجلس تأسيسي يا المنفي قلنا مجلس تأسيسي يا المنفي داروا مجلس تأسيسي يا المنفي على البلاد تباعت وخلات يا المنفي لي جينيرو في الحطات يا المنفي على البلاد تباعت وخلات يا المنفي لي جينيرو في الحطات يا المنفي voilà c'était pas ce qui était prévu
صحيح. ميرسي ميرسي. أكلي à toi. المكتوب المكتوب أكينا ذلا أكين غذاب أتخيلك ثورها يطيز غباري زيدا نتركو ذي ثمران مد أخبار الزالي زيدا جباري زيدا تركو ذي ثموران مدا أخبار زالي زيدا أبقى الأخير يقفو بقاي الثيزي والزور وركمت الصفر نسيسكم Thank you.
سير سرو تحزن زين عزيز سير سرو تحزن زين عزيز لكل انتنا انو غادي رومية يا بارمان سخيلك ورنود دكاتي وكنظ روحا ورنود دقلانا ياك اي روح بحبي وكنك يا بارمان سخيلك ورنود دكاتي وكنظ روحا ورنود دقلانا ياك اي روح لحالي وكنك تسدى سم المخام الغرفة نزدها تخيل اثمتي وظن وهن ذك الشماء اروي غير كاس الشرف ذي ثمور مثل كن عصر كيف كوم انت مثل تولن اروي غير كاس الشرف ذي ثمور مثل كن عصر كيف كوم انت مثل تولن الياس الفاسي ظلم يونيواس الياس الفاسي ظلم يونيواس يا طاقسي نيدي حبسان وصرا جودي كمل بريدي الجيوفاني ودي الماوان وسعيد الشدي ورمدي الدوني يا طاقسي نيدي حبسان وصرا جودي كمل بريدي الجيوفاني ودي الماوان وسعيد الشدي ورمدي الدوني جن سن قبضني مطاون بذني كرس النور تنرور كون اروي غير كاس شرف ذي دمور المدن كان عصري كيف قمة مثل تولن اروي غير كاس شرف ذي دمور المدن كان عصب السيف قمة مثل تولن الياس الفاسي ظلم ما يري واس الياس الفاسي ظلم ما يري هذه الغربة كريلة الغربة النيض الصحن شوف أظل حفز بلا ثيبورة وريلي سالة كان روان وجد دور امك مرة فرنسا نيغد الصحن شوف اظهر حفز بلدي بورا وريلي سنة كان روان انا وجد دور امك مرة سيدي خسر وتحزن تزير عزيزا كنا نتنا غنو غادي روميا سيدي خسر وتحزن تزير عزيزا كنا نتنا غنو غادي روميا سيدي خسر وتحزن تزير عزيزا كنا نتنا غنو غادي روميا سيدي خسر وتحزن تزير عزيزا نتنا غنو غادي روميا سيدي خسر وتحزن تزير عزيزا نقول نتنا غنو غادي روميا سيدي خسر وتحزن تزير عزيزا نقول نتنا غنو غادي روميا الياس الفاس ما سدرت الناس الياس الفاس ما سدرت الناس الياس الفاس ما سدرت Thank you.
Yes, papa. نفسر على الفطران كيد نفسر على الفطران كيد ني غمد ثقفيلي تبقى ضربي يولي سطى صفر اجيد يولي سطى صفر اجيد نفسر على الفطران كيلا مني غمة تقضيلي تبقى ضربي يولي ستا صفر عجيل يولي ستا صفر عجيل Yeah.
حشام كاكيد لسان الفزيد فلا وناسي قرفي وغن الفتيري وغباري مبنن البار دخشي شالي يسكر يسرو قروان نازل الليلو اي ناس جازي سلع مرضي قمت ورد الصبر زين من فيك فيني موزين صوار موزين صوار أسد فات قضوا عن فن سفرو لوان أكثيرين ويستعمينن بدر الفازي حسنا واني الفايجة كن ناسي للاينو أي ناس لا ينطى وصديقي متورة تايج هاي راح داين وكايدوس 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 الفوضى ثرنا أكوس وكايدوس 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 يركز وخشش يدوقوس قصر قتل عشام كيك درسام الفزيد فلاون الكيتش ثرجام سبسنا يا ميتافض ذاك العشام تويز فرسك تذرير يا مدرسة نسل الليل اي ناس تويز سنة 12 طلعاني بميسن أدارك داين وكايدوس 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 الفوضى ثرنا معكوس وكايدوس 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 يركز وخشش يتوقوس وكايدوس 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 الفوضى ثرنا معكوس وكايدوس 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 يركز وخشش يتوقوس الفوضى ثرنا معكوس وكايدوس 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 ايرقص وقبل يدقوس تلمير ميرسي فيف لومانيتي افون تو ميرسي Alors pour finir, il faut quand même qu'on finisse tous ensemble. Donc on va chanter tous ensemble. C'est un vieux blues de Béchar que tout le monde connaît. Hein? Donc Roumari, voilà, c'est ça. Oh.
بينا الشاب شحال من مرة يتحل من صم جيبينا الشاب شحال من مرة Merci à tous, merci d'être venus, merci à tout le monde, merci à Tegré Ouzar, Abdelnour Jemaï, merci Ars Kamzian et Aklidé. Merci à toi. Voilà. Merci à Hossine, s'il vous plaît, sur Sidi Bémol. Et voilà, et liberté pour tous les détenus d'opinion, liberté pour Hassan Al-Qadi et tous les autres. Merci à tous. طلقوا المساجين ما باعوش الكوكايين ما باعوش الكوكايين ما باعوش الكوكايين ما باعوش الكوكايين ما باعوش الكوكايين